Bonjour. Pour des personnes qui ont un mot de passe Windows qui compose des lettres et des chiffres, ils sont toujours obligés de cliquer sur le verrouillage numérique, sur le bouton verrouillage numérique pour activer ce dernier ou bien pour activer le pavé numérique. Pour cela, pour que le pavé numérique sera actif à chaque démarrage de votre ordinateur, on va faire une petite manipulation qui va le rendre ainsi. On va y aller sur le registre, l'éditeur de registre système. Pour avoir cet éditeur, il suffit seulement de taper regedit. Vous cliquez sur regedit. Vous cliquez sur oui, sur le contrôle de compte utilisateur. Vous allez sur key user et après sur default. Et après sur Control Panel, et après sur Keyboard, et vous allez sur une entrée qui s'appelle Initial Keyboard Indicator. Et vous changez la valeur que vous avez ici à 2, et vous cliquez sur Valider. Pour valider ces paramètres-là, il suffit seulement de redémarrer votre ordinateur, et vous aurez le pavé numérique qui va s'allumer par défaut. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bonne journée.